le bout de papier de s'envoler ou d'aller n'importe où. Et puis si quelqu'un le ramasse, eh ben, peut-être ça servira pour payer le timbre, pour mettre ça dans une enveloppe et qu'il l'envoie à ma mère. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Et pour la plupart des gens qui ont envoyé des messages, les cheminots, ceux qui travaillaient sur les voies ferrées, les ont recherchés systématiquement et ils ont eu à cœur de les faire parvenir à destination. Comme on vous a dit tout à l'heure, il va y avoir 76 000 juifs déportés de France pendant la guerre et qu'ils vont mourir à 97%. On peut considérer que pour la grande majorité de ceux qui jetaient des messages, c'était le dernier message avant la mort. Et c'est aux cheminots qu'on doit le fait que ces messages sont arrivés à destination. Bref, donc le voyage, on était tous plutôt terrorisés. Et puis quand il a fallu faire ses besoins, ça a été un problème parce que tout le monde se retenait. On se disait, on ne peut pas aller dans ce coin et faire nos besoins devant tout le monde, c'est pas possible. Puis quand on n'a pas pu se retenir, il a fallu quand même. Et puis, alors on s'est débrouillé, on a tendu un manteau, une couverture pour abriter du regard des autres. Et puis ça a été plein, puis ça débordait dans le wagon, et on était déjà serrés, les gens s'écartaient. Enfin bref, si vous voulez, c'était tellement humiliant de vivre ça avec des gens qu'on ne connaissait pas et serrés comme des sardines, et puis avec cette odeur, cette chaleur, et ces matières fécales, cette urine qui s'étendait dans le wagon, que ça a été un moment extrêmement pénible, extrêmement douloureux, extrêmement dégradant, humiliant. Et puis on était pressé d'arriver à la fin du voyage. Alors on a bien vu, en regardant par la lucarne, qu'on traversait les gares françaises. Donc on savait qu'on était en France, après ça a été l'Allemagne. Et puis après on ne savait même plus, on était en Pologne. Donc ça a duré 3 jours et 3 nuits. Et quand le train s'est enfin arrêté, c'était un soulagement. On disait enfin, on va pouvoir sortir de ça, on va pouvoir marcher, se dégourdir les jambes, boire, manger. Et puis ça a été tout le contraire. À ce moment-là, les SS, ils avaient une espèce de mise en scène pour nous terroriser. Alors, ils tapaient sur les parois des wagons avant d'ouvrir les portes. Les portes, elles avaient été plombées au départ. Donc, il n'était pas question de pouvoir les ouvrir de l'intérieur. Et il y avait des soldats armés qui accompagnaient le convoi. Et quand on est arrivé et que les portes se sont ouvertes, on entendait des cris, des hurlements. C'était des ordres qui étaient criés dans des haut-parleurs, dans une langue dont je ne comprenais pas un mot, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient dans mon cas, peu de gens qui comprenaient l'allemand. Et on entendait des chiens hystériques qui aboyaient. Et quand la porte s'est ouverte, on a vu des SS avec leurs fusils sur l'épaule, tenant des chiens en laisse, qui menaçaient les gens qui sortaient des wagons. Alors, quand on est resté aussi longtemps et qu'on est ankylosé et qu'il faut descendre d'un wagon à bestiaux, je suppose que vous imaginez la scène. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de quai. C'était un endroit, c'était nulle part. C'était la fin des rails dans un champ. Et les wagons à bestiaux, quand il n'y a pas de quai, c'est haut. Les gens, quand ils arrivaient pour descendre, ils tombaient les uns sur les autres, surtout qu'ils se cramponnaient à leurs bagages. Donc, il y avait de la boue, ils tombaient dans la boue. Et puis, tout de suite, il y a eu des coups de bâton. Alors, on en voyait qui réagissaient tout de suite aux ordres qui étaient criés. Et on ne comprenait pas. Alors, on disait, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faut rien garder dans les mains, mais nos bagages, il faut les jeter par terre. Et les femmes, leurs sacs à main, pareil. Ah, vous savez, avant une femme lâche son sac dans lequel elle a ce qu'elle a de plus précieux, ses papiers d'identité, de l'argent, des photos, de ses enfants, des bijoux, de leur. Enfin bref, tout ce qu'elle a amené, il fallait le jeter.
Donc c'est pas un réflexe normal. Donc les coups ont commencé à pleuvoir, et évidemment, on s'est tous exécutés. Et puis il y avait d'autres ordres. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut courir à l'avant du train. Et puis qu'est-ce qu'on voyait, nous? En levant la tête, on voyait, il y avait des officiers qui étaient au bout, qui étaient face à nous. Et donc il y avait, mais ça je le saurai plus tard, toujours un ou plusieurs médecins SS qui étaient là. Et c'était la première sélection à l'arrivée des trains avec les déportés. Sur un côté, il y avait des camions qui stationnaient, une file de camions, et ils faisaient le tri. Les SS, le médecin SS, c'est lui qui faisait la sélection. Et donc, les enfants qui étaient seuls, on les dirigeait vers les camions. Les femmes qui avaient des enfants dans les bras, on les dirigeait vers les camions. Celles qui tenaient des enfants par la main, on ne les séparait pas, on les envoyait vers les camions. S'il y avait des gens invalides qui boitaient, qui avaient l'air malades, bref, pareil, les camions. Et puis les gens valides, entre 16-18 ans et 40-45 ans, on les faisait mettre à part, en rang par 5, les hommes à part, les femmes à part. Dans l'affolement, en sortant du wagon, j'ai pas pu repérer où était ma sœur, je ne l'ai pas vue. Et il fallait courir. J'y tenais la main de mon père et de mon frère. Mon frère, il avait 17 ans, mais il était aussi grand que mon père. Et donc, on a couru. Et puis, on nous a fait mettre en rang par 5. Et là, on est parti vers le camp. C'était à 2 ou 3 kilomètres de l'endroit où le train s'est arrêté. Les gens qui étaient montés dans les camions... Ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer pour tous les convois qui vont arriver, puisque les convois qui partiront après le mien, nous, on était dans les premiers convois partis de France. Le convoi est parti le 20 juillet, donc 42. On était déjà le 8e convoi. Il y avait 7 convois qui nous avaient précédés. Mais il y en aura jusqu'à près de 80 convois qui partiront. Donc, pour les autres, c'est ce que je vous raconte en ce moment, le tri à la première sélection, parce que là, il y aura des enfants, des personnes âgées, des vieillards, des malades, bref. Donc, tous ceux qui sont montés dans les camions vont directement vers l'endroit où il y a les chambres à gaz et les fours crématoires. On les fait rentrer là-bas. On leur donne l'ordre de se déshabiller tout nu, hommes, femmes, enfants, tout ça, ensemble. Je vous laisse imaginer le choc pour des gens qui, 8 jours avant, étaient... des gens civilisés qui vivaient comme tout le monde. Ça n'arrive jamais, on n'y pense même pas qu'on aura un jour à se mettre tout nu, hommes et femmes ensemble, enfants ensemble. Donc c'est quelque chose que moi j'ai vécu après en entrant dans le camp. Quand on vous demande la première fois de vous mettre tout nu devant tout le monde, ça ne va pas de soi, c'est vraiment, ça nous paraît invraisemblable, impossible à faire, mais il y a les menaces, il y a les coups, donc... Tout le monde était obligé de se déshabiller tout nu. On les fait rentrer de force dans une grande salle, soi-disant pour prendre une douche. On les entasse un maximum. Ils sont serrés à bloc parce qu'il en arrive toujours des trains. Il faut aller vite, il faut faire le maximum. Une fois que c'est bourré à bloc et qu'on a entassé, qu'on ne peut plus mettre personne, on ferme une porte qui est une porte hermétique. Quand la porte est fermée, il y en a un SS dont la tâche, c'est de... grimper à un endroit où il y a un orifice au-dessus de cette salle pour verser un produit qui est dans des espèces de grosses boîtes de conserve. Ce produit, il le met dans l'orifice et ça tombe à l'intérieur de cette grande salle où les gens sont entassés et enfermés. Et ce produit s'appelle le cyclone B. Et quand il arrive dans l'atmosphère de cette chambre à gaz, il dégage un gaz toxique qui est mortel très rapidement. Donc ces gens-là, entassés, les mamans avec leurs bébés dans les bras, tout nus, au milieu des hommes tout nus, et qui sont serrés, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus respirer, qu'ils sont en train de mourir, et souvent, j'imagine comment ça s'est passé, comment les mères qui tenaient leurs bébés, ce qu'elles ont dû penser, enfin bref, ça ne dure pas très longtemps, puisque en un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde est mort.
un SS observe par un hublot à l'intérieur de la chambre à gaz, quand il voit que ça ne bouge plus, qu'il n'y a plus les cris, les pleurs, il donne l'ordre d'ouvrir la porte. Ils mettent en marche une ventilation pour chasser les gaz toxiques, les gaz mortels. Et puis, une fois que l'air est évacué, à ce moment-là, il y a des déportés qui rentrent, qui sortent les cadavres, qui récupèrent sur les corps tout ce qui a de la valeur, les alliances, les bagues, les bijoux, les boucles d'oreilles, les colliers. Il y a une autre équipe qui regarde dans la bouche des adultes pour voir s'il y a des dents en or et qui les arrache, qui sont équipés pour ça. Tout ce qui a de la valeur, tout ça s'est mis dans des caisses et s'est remis au SS. Sur les femmes en particulier, enfin pour les, ils tondent les personnes qui ont des cheveux longs, donc c'est pour ça que c'est essentiellement les femmes. Ils récupèrent les cheveux, ils les mettent dans des sacs et ça part vers l'industrie allemande, je ne sais pas ce qu'ils en font, un tissage peut-être. Et puis ils les brûlent dans les fours crématoires. Et nous, dans le camp, quand le vent pousse la fumée vers le camp, on sent l'odeur de chair brûlée. Et les anciens qui sont là, qui sont arrivés avant nous, nous disent, ceux qui sont montés dans les camions, là, ils sont déjà en train de brûler. Et la fumée que vous voyez, ben, c'est la fumée des corps qui brûlent. Alors, ceux qui sont rentrés dans le camp, c'était mon cas, celui de mon père et de mon frère en tout cas. Je sais que ma sœur a dû rentrer dans le camp aussi. Je le sais parce que j'ai lu après, 50 ans après, dans les livres des historiens, que notre convoi, il est pratiquement, presque en totalité, rentré dans le camp. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'installation moderne des fours crématoires et des chambres à gaz dont je vous parlais. On gazait et on brûlait, mais c'était encore artisanal. Et la destruction, la mise à mort des gens, ça se faisait dans le camp. C'est pour ça que je dis que c'était à l'époque où je suis arrivé, au début. C'était un petit camp et c'était l'extermination artisanale. Parce que c'est dans le camp qu'on nous tabassait à coups de bâton, qu'on nous tuait et qu'on nous faisait mourir de faim. Il y avait aussi des épidémies, des maladies. Quand je suis arrivé... Alors, c'est une région, il faut savoir que c'est une région très continentale, la Haute-Silésie, à Auschwitz, Birkenau. Il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Et quand je suis arrivé, c'était donc en pleine chaleur. Et il y avait aussi quelque chose de particulier, c'est qu'on était couvert de poux. Et les poux, c'est le vecteur, c'est ce qui transmet cette maladie qu'on appelle le typhus, qui est une fièvre épidémique qui est contagieuse. Et donc, je suis arrivé, il y avait le typhus, et très vite, tout le monde, plus ou moins, attrapait le typhus, qui donne 42 fièvres, qui rentrait très faible, et donc, il y avait beaucoup de morts. Alors, donc, quand on arrive, on nous fait rentrer dans une salle. On nous donne l'ordre de nous déshabiller. Moi, j'enlève le haut, mais quand il s'agit d'enlever ma culotte, c'est là un réflexe, je regarde autour de moi, et puis il y a les coups qui commencent à pleuvoir, et puis bon, bah, je fais comme tout le monde, je me mets tout nu, je vois mon père obligé de se mettre tout nu devant tout le monde, mon frère pareil, et puis il y a des déportés qui arrivent, alors...